Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment paramétrer les périodes du livret scolaire unique. Pour cela, nous allons dans le menu Paramétrage, Paramétrage des périodes. On a le choix entre trois solutions, des périodes personnalisées et des périodes prédéfinies, soit des semestres, soit des trimestres. Vous voyez que par exemple ici on a une série de classes pour lesquelles aucune période n'est définie. Donc vous voyez, on peut par exemple éditer pour les autres classes une période par trimestre. Je sélectionne par exemple cette classe-là, celle-ci et celle-ci pour lesquelles ce sera défini en trimestre. Si par exemple ici j'ai une classe qui est en semestre et que je veux la passer en trimestre, je clique également. J'enregistre et j'ai désormais 4 classes pour lesquelles la période, ce sera le trimestre. Il me reste 3 classes pour lesquelles je peux définir une période personnalisée.